Salut à tous, en fait on se retrouve ici. On est au même endroit en fait parce que j'ai rechargé la sauvegarde parce que j'ai un peu avancé. Attendez, je crois que lui il avait des munitions. Ouais, donc ça je l'ai déjà fait hein. C'est parce qu'après il y a quelque chose qui se déclenche. Ça m'embêtait en fait que vous ne puissiez pas le voir. Voilà. Bon, l'ascenseur, on s'en fout, hein. C'est pas ça que je voulais vous montrer. C'est vrai que j'étais un peu bête de couper aussi, j'aurais dû attendre d'être en extérieur, hein, comme d'hab, pour couper la vidéo. Là, je me disais qu'elle allait être beaucoup trop longue et tout. Et qu'on avait fait l'essentiel, au final. Du coup, nous voici ici. Commande des tourelles. Les tourelles, c'est les tourelles extérieures hein, du bâtiment qu'on a déjà détruites. Donc il n'y a pas besoin. La porte va s'ouvrir. Habitants du Commonwealth, merci de ne pas perturber nos opérations. Nos intentions sont pacifiques. Nous sommes la confrérie de l'acier. Ça claque, hein? J'avoue que quand je l'ai vu là passer à travers la petite brume matinale avec les reflets du soleil. On va écouter la radio du coup. Répétition du message. Ici le paladin Dance sur la fréquence 9.5. À toutes les unités de la confrérie de l'acier, entrez immédiatement au commissariat de Cambridge pour recevoir de nouveaux ordres. Répétition du message. Et voilà. C'était ça. Enfin ça, je savais pas qu'ils allaient nous donner une autre mission, hein. J'ai juste vu le truc arriver, j'ai fait oh non non non, je peux pas les empêcher de voir ça. Un petit moment épique dans le jeu. Il a la classe hein, leur dirigeable quand même. Du coup en fait ils sont complètement surpuissants en fait les types. Parce que là la confrérie de la Sion, on avait vu plein de types se faire zigouiller et tout un peu de partout. Trois types, dont un qui m'aime pas à la base. Vous comptez avec les miliciens. Comme quoi, tout le monde peut. Il va en falloir de l'huile de coude pour nettoyer tout ça. Ouais. Alors du coup, le buff out vient de se terminer et nous voici à ma base. Donc j'ai mis les trucs là-haut, hein, histoire de faire de la place. Et c'est en ce jour fatidique que le Commonwealth a compris que les miliciens étaient de retour. Ouais, bah, des fois, faut savoir fermer ta gueule. allez. Transfert. Voilà. Viens là. Je vais voir ce que. Je vais tout te prendre. R. Que je peux faire. Ouais. Après tout ce temps. R. T. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah du coup vous allez me voir faire ce que je fais d'habitude. Hein. Où sont les autres? Du coup j'ai mis des tourelles. Hein. Ah ben, et Kanigou est là. Du coup... Ah ben, attendez. Tadam. Accepté, fan d'armes. Fabriqué. On va recycler tout ça. Normalement, ça me rapporte un peu plus que ça. Je sais pas ce qu'il fout, là. Carabine de combat, ouais, c'est pas un de mes favoris donc on s'en fout. Le laser, hop. Parce que du coup son flingue, 50, portée 119. Je crois qu'il a une meilleure crosse, non? Il a la même crosse, ouais. Bah, écoutez, on va le modifier. Voilà, confirmé.
La culasse est une culasse puissante. Voilà, là ça nous fait un super flingue là par contre là. Poignée confort. Le viseur, c'est parfait. Donc son flingue, on va le ranger dans l'établi. Hein. Cela dit, on pourrait même le... Ah non, on peut pas. Ça, on peut recycler aussi, oui. Voilà. Du coup, on va le modifier aussi, ça. Qu'est-ce qu'on a ? Cadence de tir et pénétration. Portée et dégâts réduits. Attendez, de base, on a 51 de dégâts. Ouais, ça fait pas des masses en plus. Hein. Bah, ça fait rien du tout en plus en fait. Ouais, ça fait absolument rien. Ça change absolument rien tout ça. Hein. Recul, portée, précision excellente. Faible précision de tir au jugé. Ouais. Bon, allez, on va le faire quand même. Crosse courte, crosse à compensateur. Hop, ça c'est fait. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait n'importe quoi. Chargeur. Ça, ce sera niveau 4. Lunettes courtes, ça me va. Hein. Médiocre. Compensateur. Ouais, je perds quelques mètres. Enfin, je sais pas. Hop là, ça c'est fait. À toi. Puissante, cadence de tir améliorée, dégâts réduits. Non bah puissante. Canon, oh, niveau 4, crosse courte. On va mettre crosse complète. À niveau 4 aussi le reste. Chargeur ou ouais, tambour. Viseur laser, ça va. Portée réduite, c'est pas un problème. Compensateur, tac. Bah du coup lui le flingue il est au max. Voyons s'il n'y a pas encore un petit truc à rajouter. Dégâts excellent. Je reste à 78 ou pas? C'est ça la question. Normalement oui. Portée, précision, poids, cadence de tir un peu moindre. Ça c'est pratique, cadence de tir, pénétration d'armure améliorée. Voilà. Je peux toujours pas avoir celui-là. Ah, j'ai plus d'aluminium, forcément. Alors, on va rester avec le canon long pour l'instant. Chargeur, est-ce que je peux... Ah, j'ai plus d'aluminium, non. Portée médiocre, ouais bon. Avec un silencieux, ça me fait bien marrer. Bah écoutez, on est bon. Quittez. Pendant que vous bricolez, je vais lancer quelques diagnostics. Prenez votre temps. Place ton pillard, tac. Ah, ça je peux pas.
crois que c'est pas plus puissant. Hein. Non, 11-11. Du coup, on va commencer par le plastron. Est-ce que je peux l'améliorer? Non, il est full. Je peux mettre des larges poches. Ouais, allez hop, fabriquer. Histoire de... Hein, c'est vraiment... Du coup, on va stocker 2-3 trucs. Genre, impulsion, grenade à plasma, mine, pistolet de Kellogg. Hop. Costume rayé, soudage, tac, tac, tenue de Kellogg. Eh, du coup, elle est plus... Elle est mieux. Je suis en train de voir ça, elle est 30-30, ouais c'est mieux, ouais. Esprit vif, par contre, ça aussi. Vous voyez, hein, ça prend du temps, la gestion d'inventaire dans le jeu. Parce que j'ai mis large poche. Bon, je viens de crafter un truc inutile parce que j'ai ça en mieux. Ah non, d'accord, c'est 30, mais pour tout. Là par contre on a le style. Là on a le style. C'est dommage parce que c'est pas... le plastron. Ah non c'est le plastron, d'accord. Non mais c'est nul alors. Tout ce que j'ai est mieux. On va stocker. Pourquoi stocker hein, me direz-vous? Ben j'en ai pas la moindre idée. C'est dans le doute. Ça peut servir. Enfin, ça servira jamais, hein, je le sais. Hein. Rassurez-vous. Mais bon. T. Voilà. Par contre, il y a un truc qui me gêne, c'est qu'on est à 137. Ça a peut-être alourdi 2-3 trucs. Parce que là on utilise tout. Non, on est bon, 137 c'est le max. Hey, du coup, toi. C'est quoi le plan? Attendez là. Je reste là. Oh, Valentine. Il se passe quelque chose? Renvoyez. Il est temps que vous partiez, Nick. Pas de problème. J'ai plus qu'à rentrer chez moi dans ce cas. Mettons chez toi, c'est ici. Voilà. Et là. Colon 7, lit 7. Comment ça se fait ça? Toi, t'as pas besoin de. Tout à l'heure, il n'y avait pas marqué 10. Attendez, le chien, lui, ça fait 2, 3, 4 avec machine. 5, 6, 7. Ah ouais, non, on est bon. Ah, il y en a 3 là. 4. 5, 6, 7. Attendez, est-ce que j'y reconnais? Non, 8. Il y a mon marchand. Il y a un truc qui va pas. 9 lits. Bon écoutez, je crois qu'on a tout le monde. Du
connais pas mal. Oui, j'ai foutu une boutique là, il paraît que ça rapporte de l'argent, mais j'ai plus l'impression qu'il pille mes stocks et que ça ne rapporte rien. Bah écoutez, perdons pas de temps. Retrouvailles, partagez vos découvertes avec Piper. Non, nous on va aller chercher la boîte aux lettres, tiens. On va aller chercher la boîte aux lettres. Alors la carte, c'est où? C'est ici. On va continuer avec le Railroad. Vu qu'apparemment ils sont pour la liberté du synthétique, je sais plus quoi. Enfin, ils aiment bien les synthétiques, quoi. Et vu qu'on a Valentine's avec nous, autant les aider. Même si on s'en fout, c'est que des robots. On a bien aidé des ghouls, alors on peut bien aider les robots. En espérant que la suite soit un peu plus palpitante que la gestion d'inventaire. C'est quoi ce bordel? Quoi? Ah bah les gars... Ça commence fort. Ça commence fort en effet. Alors je vais pas perdre de temps avec eux. Écoutez là-haut la bande. Je vais les laisser se canarder. Waouh! La confrérie de l'acier a dû perdre un de ses hélicos. Et comment je passe? Suzy. Bon, si tu viens pas, je me casse. Bon. Bah, c'est réglé. Encore? Ah ouais, merde, c'est un chien légendaire, ça. Attendez. Cadence de tir un peu plus élevée. Non mais je récupère ça sur un chien, enfin. Sérieusement. Bon, j'espère qu'il est pas pressé pour son message. Oh, on s'en fout. Là, je mets un peu de temps. Ah. Comment on rentre là-dedans? Ah oui, d'accord, c'est ici, oui. Eh. Bonjour camarade, dites-moi, vous avez un compteur Gégère? Le mien est en réparation. Vous? Je m'attendais à quelqu'un de mieux armé. Vous venez de la part de nos amis communs, n'est-ce pas? Exact. C'est toujours un plaisir de se faire de nouveaux amis. Vous venez de nous rejoindre, n'est-ce pas?
Tout ce que vous devez savoir, c'est que cet endroit est la première étape pour tous nos nouveaux colis. Il est donc vital de respecter les procédures de sécurité et de tenir les délais. Personne n'aime les retards. C'est mauvais pour les affaires. Mon colis actuel est en ma possession depuis bien trop longtemps. Je suis censé le livrer non loin, mais la présence des pillards complique grandement les choses. Alors, si vous pouviez... Je dois juste massacrer quelques pillards ? C'est comme si c'était fait. Vous me plaisez déjà. Nous devons effectuer la livraison de nuit. Donc, dès que vous nous aurez débarrassé des indésirables, nous nous retrouverons à la nuit tombée. D'accord. Du coup, tu nous envoies où ? Ouais. Ça m'a l'air simple. Casser du pillard. Cela dit, faudrait que je fasse gaffe. Mes stocks de munitions commencent à tomber assez vite. Enfin, pour les armes principales, quoi. Le sniper, je crois qu'il est à 500, donc ça va. Hey. Voilà. Ben oui, il a pas rechargé. Viens voir, connasse. What? Or toi. J'y crois pas comment je me suis fait insulter. Ah non, ouais, 400. Je t'avais pas déjà looté une partie de tes trucs, toi ? Y'a plus rien. Qui parle ? Par contre, toi, t'avais masse de... munitions. Non mais arrêtez quoi, ça va, pas toutes les deux secondes. Non, on s'en va. Qu'est-ce que... Eh bah oui. Butez-les ! Butez-les tous ! Oh ! Ah, oh, ça va pas recommencer. Direct, j'arrive, bing cocktail. Si vous êtes dans une église. Moi aussi je vais jouer avec vous. T'enfuis, rends-toi. Attendez, ah, il a fait péter ma truc. Ah merde, j'ai une grenade en main là. Ouais, bon, on va tout prendre pour toi. Et voilà. Du coup, attendez, on visite un petit coup, hein. On visite. Bon, il n'y a rien du tout. Du coup, faut que j'attende la nuit, c'est ça, oui. Attendre le vieux Stockton à la tombée de la nuit. Et ben, prions pour nos péchés. T. Tombée de la nuit dans, ouais. Ok.
Le voilà. Qui parle? Tout a l'air dégagé. Je vous présente H2-22. H2, voici la personne dont je vous ai parlé. C'est un plaisir de vous rencontrer, H2. Une nouvelle personne qui est contente de me voir. Je vais devoir m'y habituer. N'oubliez pas ce que je vous ai dit, H2. Je vais allumer le signal. C'est un robot, H2. Et voilà. Bon, je dois y aller. Protégez H2, surtout. Quelqu'un arrivera bientôt. Ok, je vais devoir défendre le robot. Alors, on peut pas rentrer par l'arrière. Du calme. Ne tirez pas. Nomade, c'est ça? J'ai entendu parler de vous. Vous avez suivi le chemin de la liberté, nettoyé le standard. Content que vous soyez des nôtres. C'est un plaisir. Tout le plaisir est pour moi. Voyons un peu votre ami. Hey, ça va? Un peu secoué, mais sinon je suis en pleine forme. L'autre homme, il m'a dit de ne pas trop parler. Et il a raison, H2. Vous avez besoin d'un vrai nom et d'un nouveau visage. Mais on verra ça plus tard. J'ai d'autres pillards aux fesses. On va avoir besoin d'un peu plus d'aide. Encore des pillards? Aucun problème. Vous autres du QG, vous n'êtes pas là pour rigoler. On doit aller au repère Ticonderoga. C'est chez moi là-bas. Beaucoup de synthétiques tout juste libérés logent là le temps qu'on puisse les faire sortir en douce du Commonwealth. C'est sympa de faire ça pour nous. Ouais. Faut croire que je cherche à expier les péchés d'une jeunesse dissolue. Mais les cams suivants. Suis-nous, toi. Alors, où tu nous emmènes? Non, mais là, tu le vois, le mec. Vous aurez fini. Je vous attends un peu plus loin. Ah, tu te caches? Ah, le fourbe. Je pensais qu'il allait lui tirer dessus. Y a quelqu'un? Attendez. On a perdu l'autre type. Ah non, il est là. Vas-y, avance. Oui. C'est que du bruit. C'est quoi ça? Qui? Quoi? Qui est là? Non mais passez pas dans la lumière. Et il est où? Salut, gratte-ciel. On y est. Pour vous, ce genre de nuit, c'est la routine, non? Ça fait partie du service offert, c'est tout. Je crois bien que je vais vous apprécier encore plus que Glory. Si vous avez besoin de bouffe, de munitions, ou même d'un endroit où pioncer quelques heures, venez à Ticonderoga. Ma maison est la vôtre. Mais là, faut que je m'occupe de H2. A plus. C'est tout? C'est quoi cette mission? On va retourner voir Bidule. Retourner voir le docteur. Bah ouais, on a battu qu'un seul type sur le chemin. Oh, peut-être que j'avais déjà fait de ménage avant, mais... Ah si, à un moment, il y avait quelques points rouges et tout, mais ils ont pas été vraiment agressifs, quoi.
Ils sont restés à l'écart, du coup on est passé sans tirer une seule balle. Allez, charge. Et en plus. Attendez, je sais même plus où se trouve la. Il y a un passage qui est plus. Ah ouais, mais je sais pas où il est. Vous savez, la truc d'égout là. Vous ressortez, c'est vachement plus rapide. Parce que là, va falloir faire tout le chemin. On va faire ça vite. Troisième chargement, super. Aïe aïe aïe, il va vraiment falloir que je trouve pour la suite. Je vais mettre un repère. Pardon, comme la bricole m'a demandé de H2-22 semble avoir été résolu de manière satisfaisante. Mais il y a encore fort à faire. Depuis la perte du standard, nous sommes sans nouvelles de deux de nos repères. Je veux que vous alliez vérifier, Augusta. Je m'en charge. Vous trouverez les détails dans la boîte aux lettres mortes. Faites attention, il y a de fortes chances que ce soit très dangereux. Du coup, la sortie, c'est pas par là. Il n'y a pas des mules là. Utilisez l'entrée de derrière. S'il y a trop de trafic qui passe par l'église, ce repère sera grillé. J'espère vraiment que l'Institut ne nous trouvera jamais ici. En tout cas, pas avant un moment. Tout le monde n'arrête pas de dire. T'as abusé de la dope, tu planes. Mais moi, j'ouvre les yeux, moi, et j'observe. Ouais, d'accord, c'est un centre d'entraînement, ok. Mais y a pas de balles. Tant pis. À part nous, les l'importance de Bunker Hill et de nos opérations sur place sont encore méconnues. Faites en sorte qu'elles le restent. Non, c'est bon, attendez. Il vous faut quelque chose? Non, c'est bon. Dormir une petite heure. Fait jamais de mal. Il n'y avait pas un endroit avec une échelle. Parce qu'au final, c'est pas forcément plus rapide. Ouais, ça n'avait rien à voir en fait, c'est peut-être pas cet endroit-là auquel je pensais avec la bouche d'égout. Je me suis sans doute fourvoyé. Ouais. Du coup, là, on va aller chercher la lettre. Puis bon, on s'arrêtera là, une fois qu'on aura eu notre mission. Allez, plus vite. Alors, carte, nombre de morts, relever la boîte à lettres.
Ouais, c'est plus la même. Yep. C'est quand même horrible. On vient de s'enchaîner, je sais pas combien de temps de chargement. Pour stepper à l'église, hein, la porte d'entrée. Il y en a un deuxième du coup. Ouais, deux. Trois. Quatre. Quoi, toi? Bordel! Croyez pas qu'un gars du Commonwealth se rend si bien pas les questions. Vous vous tirez dessus, les gars, vous faites quoi là? Débrouillez-vous. Je me suis fait avoir! J'ai eu un petit freeze, attendez, je vais sauvegarder. Évaluer la situation au repère. Ah, il y a un petit peu de marche. Bah écoutez, on va s'arrêter là. En plus, l'inventaire commence à se remplir. On va s'arrêter là, bah, et on se retrouve pour la suite au prochain épisode. Allez, salut à tous, c'était Sandwich. Tchuss.